Alors, durant la première période, on a commencé à faire l'exercice 2. On a fait les parties 1, 2 et 3. Et on a terminé à faire partie 4, Reine 1 à 3. Alors, celui qui veut écrire les réponses, dépêchez-vous. Partie 5, écrire le symbole atomique ou nucléaire d'un atome d'oxygène. Saïd, Oui. vers la partie 5. Écrire le symbole atomique nucléaire d'un atome d'oxygène. Oui. Donner. Donner le numéro. Hein? Donner le numéro 5, ça Oui. Non, donnez laquelle est l'exercice, mais je le numéro 5. تليفونات سايلنت واساسا ما في داعي يكون التليفون ما نحن عم نشتغل. يعني بعطيك السمبول الاتوميك تبع وي مسيو يلا الفيديو. وي سمبول اتوميك دو لاتوم دوكسيجين سي كوا لو سمبول اتوميك يا سعيد؟ سمبول شنو نقول انا؟ اتون سي استاذ كوا لو ديما ما سمبول اعرف اتوميك سعيد؟ او Oui, c'est O. البروتون اتوميك فوق الماستر شوف. Le nombre de masses en haut et le Z en bas. Mais comme ça, tu te parais, Michel. Tu dois étudier, Saïd. Oui, j'ai étudié, parce que Alors, Ya Habib, le remarque, mais le symbole atomique, c'est de classe 8. oui, je De X à Z. Pourquoi tu veux faire ça? Tu dois écrire le A en bas et le Z en haut. Yalla, écrivez les réponses. دي ماما Est-ce تقدر تفوت عم يعمل كونكتينج ويرجع يظهر مثل يكون ما عندك زمان. problème de connexion? قالت لي خبرك D'accord. استاذ الاو 16 D'accord, استاذ 40-20. 20 Ça va. 16 8 Ça va. Elle a écrivé. أستاذ أنا ما فيي أكتب عشان مش بالبيت، الكيه مش معي. Ça va, Nursan. Mais tu dois recopier ça à la maison. أستاذ هو مش احنا كان لازم نكتبه من هديك الحصة؟ Oui. لا ناطر هلا شو لا ناطر يعني Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas écrit à nous. اوكي Alors, pour celui qui a terminé l'exercice 2, commencez à préparer l'exercice 3. انا عملت الاكسرسيس 3 يا استاذ بالحصه الاولى. Ça va.
Ça va? Oui, monsieur. L'exercice 3, SI 30. Le 30, vu qu'on a un numéro, le nombre de masses. Il y a la base de la chauffe à STS. SI 30, oui. Heidi, l'écriture indique que nous avons le symbole de l'atome. بار نحط تري نرجع نحط الا Tu peux répéter s'il vous plaît SI 30 يعني SI c'est le symbole de silicium où 30 représente le nombre de masses de cet atome Oui ou 10 oh, 10 c'est 10% Yala, c'est fini? Vous avez terminé l'exercice 2? Oui. D'accord. Yala, on va commencer à faire l'exercice 3. Estes namo le miot. هيفا هيفا بتول oui يلا monsieur commencez à lire l'exercice 3 je commence par la question 1 non lire l'exercice 3 donnez Les monts silicium existent dans la nature comme un mélange d'isotopes. La composition naturelle de l'abondance de l'élément silicium est représentée par le graphique circulaire suivant. Donc, la composition naturelle, c'est-à-dire le pourcentage d'abondance relative de l'élément silicium, est représenté dans le graphique circulaire. Donc, seulement, il faut savoir que représente ce graphique ou ce diagramme circulaire. Donc, monsieur, le diagramme circulaire, on a le pourcentage de chaque isotope de silicium. Il y a le contenu Batoul. En utilisant les informations... Donné dans la figure ci-dessus, calculer le pourcentage d'abondance relative de l'isotope SI 1428. Oui. Eh, j'ai oui. Eh, SI 30 plus SI 29 plus SI 28 est égal à 100%. On dit le pourcentage de SI. 10% plus 11% plus X égale à 100%. X plus 21 est égal à 100. X égale 100 moins 21. Donc, X égale 79%. Donc, la somme de pourcentage. Alors, la somme de pourcentage d'abondance relative est égale à 100. Alors, on a quel est le pourcentage de SI? On a 10 plus 11, n'est-ce pas? Oui. Donc, on a X plus 10 plus 11 égale à 100. Donc, X égale 79%. C'est juste ou non? Oui. Ça va? C'est facile à trouver X alors. On fait la somme de pourcentage. La somme doit égale à 100. Et on peut trouver la valeur de X.
Merci, Batoul. Lara Sahmarani. Oui. Monsieur, partie 2, deuxième question. Yalla. Préciser si ces isotopes ont la même charge en nombre de neutrons. Partie 2, c'est préciser la masse atomique de l'isotope le plus lourd de l'élément silicium en UM1. Lara? Oui. C'est partie 2. Alors, Yala, c'est quoi l'isotope le plus lourd, Yala? Le Est-ce que tu as étudié l'isotope? Oui. Alors, c'est quoi l'isotope le plus lourd? Zahra. Zahra, dakhlala. Oui, Estaz. C'est quoi l'isotope le plus lourd? L'isotope le plus lourd, là, il a un pourcentage. Ah, voilà. Yann, le CE, le 28 à la 14. 28 à la 14. Tu peux, Estaz? Pour répondre, oui, Estaz. Fima gel, ma esma, peut-être, mais le chada. Ah, le 28 à 14, il est tout à 11. Merci, Zahra. Maïsam. Maïsam. Oui. C'est quoi l'isotope le plus lourd? Fatima Dbou. L'isotope le plus lourd est celui qui a le plus grand nombre de masses, yani c'est Si30. Donc l'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse, c'est-à-dire le plus grand nombre de masses, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, l'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse, alors c'est lui qui a le plus grand nombre de masses, donc c'est Si 30. Mais est-ce qu'on demande seulement d'indiquer l'isotope le plus lourd ou de calculer la masse en UMA? De calculer la masse en UMA. Bien sûr, ils ont beaucoup de mal à donner la masse d'un nucléon. Alors, la masse de l'atome égale masse of, nombre de masse à nombre. Delta fois masse. Je n'ai menti, la masse d'un nucléon, je menti. نعم قلتم استاذ لانه هيدا اكزرسيس دو كور يعني صفا وي اكيد بالاكزاما باكزرسيس بالاكزاما بكون معنا نحن الضمين دونك الماس دو لاتوم تيغال ا 30 فوا 1 ام 1 دونك الماس دو لاتوم égal à 30 UMA. Question? Estes, je vais vous dire que tu as écrit là. Estes. Thank you.
بنزيد على هاي على الكور وي يلا اكريفي rapidement la réponse de la partie 2. Partie 3. Rukaya. Précisez si ces isotopes ont la même charge nucléaire. Oui. Il y a une charge du noyau. D'accord. Charge du noyau, oui. C'est nombre de protons fois charge d'un seul proton, oui. Plus nombre de neutrons fois charge d'un seul neutron. D'accord. Bah, ce nombre de neutrons est zéro. Mais c'est le nombre de neutrons charge. Charge est zéro. Oui. Charge du noyau, c'est charge du proton. Un nombre de protons fois charge d'un seul proton. Donc, c'est Z fois 1 plus. 1. Fait que c'est 12. 14. 14 plus. Fois 1 plus. Alors, c'est égal 14 plus. Alors, oui. Ces atomes ont la même charge de noyau. Car ils ont le même nombre de protons. 14. Donc, puisque cet isotope de silicium ont le même numéro atomique, mais différents nombres de neutrons. Et la charge du noyau dépend du nombre de protons. Alors, ils possèdent la même charge de noyau. Noyau. D'accord? Yalla, Estes, yalla, attends un peu. Basse la hot de données. Ya. Estes? Non. هلا دائما بالاكزامان بس قلنا مثلا اعطوني الايزوتوب لو بلو لور او بلو ابوندونت هاي الشيء يعني لازم نقول لك ليش يعني ليش نقينا اي بيان سور تو دوا اكريغ لا ديفينيسيون سي كوا بلو لور سي كوا بلو ابوندون اوكي ميرسي Yalla, monsieur, dépêchez-vous, écrivez rapidement. Mute, Estes. C'est fini? Non. Nour, commencez à préparer le tableau, partie 4. Yalla, Estes.
Vous avez terminé la réponse? Yalla, Esther. راحت الكهرباء كرمال هيك ظهرت داكور مو سافا ما اكيد هلا استاذ ابي 5 مينوت كنا حطوا عنا الكهرباء دونك نو بريباري بارتي 4 وي وعاملين بالاول ايزوتوب يلي هي الاس 28 عملوا هلا اولو ولا بعملوا بريباري بعدين بجاوب اولو سولمون بريباري لو Ça va? Monsieur, vous avez terminé ou non? Non, Estes, pas sûr. Oui, on a terminé. Mais tu vas écrire ça. Ok. Estes, جبت لنا مثل اكزرسيس 3 بارتي 3 رح لازم نقول لك كل الديفينيسيون تبع الايزوتوب ما فينا نقول لك بس انه الايزوتوب اون لو ميم نيورو اتوم ما هي نحن الايزوتوب نحن عم نقول انه عندهم ميم زد وديفيرونت نومبر دو نيترون اوكي هيدا هن الايزوتوب طب ليه عم بكون عندهم اذا عندهم ديفيرونت نومبر دو نيترون Pourquoi ils possèdent la même charge de noyau? La charge de noyau dépend seulement du nombre de protons. Oui. Et malgré les isotopes, ils ont différents nombres de neutrons. Il n'y a pas ne modifie pas la charge du noyau parce que la charge du noyau dépend seulement du nombre de protons. Oui. Yalla, on continue. Le copier et compléter le tableau suivant. Oui, Nour. Oui. Pourcentage d'abondance relative pour SI2814, c'est 99%. Mais partie 1, là, il y a ça. 79. Oui. Nombre de neutrons, comment peut-on trouver le nombre de neutrons? Ok, on a le numéro atomique Z, ça? Il faut trouver le numéro atomique Z. Oui. Oui. Et on est...
شو بدنا نلاقيه من هيدا اللي قبله صح؟ Mais on a le numéro atomique Z plus S. Yani A égale Z plus N, N égale A moins Z, N égale 28 moins 14, N égale 14. Oui, nombre de 30, 28 moins 14, ça égale à 14. L'atome électrique neutre, alors nombre numéro atomique Z égale nombre de P plus égale nombre de moins égale 14. Donc, ça est égal à 14. Le nombre d'électrons, l'atome est électriquement neutre. Nombre de P plus égale numéro atomique Z égale nombre d'électrons égale 14. D'accord. Très bien. Alors, l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale à Z est égal à 14. Je peux? رينا مرجع جاوبت استاذ بعد بدنا ناخذ يلا محمد يلا محمد بلحظ بس ليفوت معنا خلينا ناخذ سعيد وي يلا البورسنتاج الاس اي 29 14 C'est égal à combien? Pourcentage de la STI. Oui, regardez dans le diagramme circulaire. C'est égal à combien? Avec le diagramme circulaire. Oui, ça l'est d'aim. Is SI à 29. C'est égal à 11%. D'accord, donc c'est 11. Maintenant, N rapidement, il y a la N égale. N. A est égal à Z. A est égal à Z. N est égal à A moins Z. Oui. Et c'est ce qui est en train de dire. Ça va, monsieur? Saïd, Mana? Battu par 5. Ah, oh, c'est battu par 5. Battu quoi? 4. Hein? 4, 4. Donc, on a fait pour SI 29. Maintenant, pour SI 30. بس للأسف بعد ما في حدا معنا بال صاروا سان ما
Voilà, ces éléments, je vous donne le groupe, écrire la réponse. Alors, écrire ce tableau sur le cahier. Stes, normal mute. Merci. Donc, écrire, recopier ce tableau. D'accord, monsieur. Il y a recopier le tableau et complétez-le. بهيك استاذ احنا بنكون خلصنا اول شابيتر بالمبدا بنتابع نحن على الاجنده شو حنطلب منكم لنهار الاثنين اوكي وي استاذ فيك بس نخلص التابلو تحط لنا شوي على اللي تحت استاذ بس هلا ما شو ما بنزلها اخر الشهر صح هلا بوندون دو سيمين غير هيدا السيمين ما في اكل هيدا القرار طلع ننطر نحن المدرسه يتاكد هيدا القرار من خلال تعميم استاذ بالويك اند استاذ بالمبدا رح ابعث لكم انا هودي الكيستيون مع الريبونس اللي لهم اللي بعد مش كاتبهم اللي ما كان موجود معنا بحصه الزوم بتخبروا استاذ حتى يكتب الريبونس ولو كاييه استاذ هلا خلصنا؟ فاستاذ ممكن نحن نعطيكم دوفوار لوندي وبتسلموه لوندي قبل 5 قبل بيريود 5 يعني قبل ما تفوتوا على حصه الشيمي بتكونوا مسلمين الدوفوار كلكم يعني بعد ال يعني اللي بده يفوت على حصه الشيمي وبعده مش مسلم الدوفوار انا حاعتبره انه ما اعطاني الدوفوار بلس هيدا الدوفوار حيكون عليه ايفالواسيون يعني هو مثل تيست حيكون وانا من خلاله راح اخذ نوت استاذ بس فيك تبعت الجامعه عشان تحلوا سبت واحد وابعتوا دغري اكيد استاذ يعني انت بدي معقول ابعتوا دغري نهار الاثنين لا قصدي انه انت قلت انه رح تبعته الاحد لا ما قلت رح ابعته الاحد ابدا ما قلت هيك لحظه انا هيك فهمت نو نو مسيو قلت رح ابعت لكم دوفوار لنهار الاثنين بس على شرط انه بدنا نسلم الدوفوار افون 5 بيريود نحن عندنا شيمي على 5 بيريود